Eh bien bonjour tout le monde, ici Goblin et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carte avec l'Olympique Lyonnais, le deuxième épisode pour la saison 3. Le tirage de Ligue des Champions va bientôt avoir lieu. Avant cela, on a un match important face au Stade Brestois qui fait un bon début de saison, hein, deux matchs de victoire pour eux. Ouais, nous on a mal commencé avec la défaite dans le Trophée des Champions face à l'OM, ensuite un match nul face à Strasbourg et on a quand même réussi à gagner face à Lille, c'était un bon résultat. Et avant d'affronter Brest, on a reçu plusieurs offres de transfert, notamment pour Mata, mais là on a complètement refusé. Hein. On compte le garder, mais je vous informe que Ben Seghir va partir en toute logique du côté de Chelsea pour 45 millions. On rappelle qu'on avait recruté 12 millions à l'AS Monaco il y a une saison, on l'avait prêté. Cet été, on l'a essayé lors de la pré-saison et même lors du début de saison, mais il est catastrophique. Il est catastrophique, il est jeune, il est promis un bel avenir, mais pas chez nous. Donc on va le vendre pour 45 millions, puis on va sûrement récupérer un MC derrière, on va voir. On a reçu aussi une offre pour Monsieur Castrolo, notre gardien, qui pourrait aller jusqu'à 34 millions. Hein. On a hésité à refuser, on a hésité à accepter. Et on va refuser quand même, parce qu'on compte sur lui, même si, voilà, il fait des bavures. Ça reste un grand gardien, si on est en Ligue des Champions aujourd'hui, c'est notamment grâce à lui. La saison dernière, il a été bon. Donc on va refuser l'offre et on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi face à Brest. Et c'est parti ici donc. À Brest pour cette rencontre. Alors on a mis en soi notre 11 titulaire avec le retour de Pavard qui n'avait pas joué face à Lille, si je dis pas de bêtises. J'espère qu'il va être bon. On est au stade Francis Leblay pour cette rencontre. Pavard qui va aller chercher Moreira. Très belle pelouse hein, de Brest. Honnêtement, elle est magnifique cette pelouse. Bon contrôle d'Amad. Et pour l'instant, bon début de match. Tolisso, Lacazette. Pas vraiment attaqué. Ah, oh, c'est mal joué. C'est pas fini. Si, c'est très très mal joué. Mata mis à contribution. Va falloir l'aider les gars, faut pas le laisser frapper. On aimerait un petit clean sheet, hein. C'est important. Ouais, vu comment on se fait dribbler. Oh là là, heureusement. Bonne sortie de Castro. Heureusement que le joueur de Brest a mal contrôlé. Jeffinho avec le ballon sur Lacazette. Lacazette, et je crois qu'il y a hors-jeu. Pour l'instant, je joue le coup. Pour l'instant, ça siffle pas. Jeffinho avec Amad. Oh, l'arrêt de la défense! Il n'y avait pas hors-jeu en plus! Romain Del Castillo, toujours à Brest, hein. Ancien Lyonnais, formé à l'OL. Là, ça a été récupéré. Amad, superbe avec Jeffinho. Jeffinho avec Lacazette. Oh, il va frapper de loin! Oh, l'arrêt du gardien en deux temps. Pavard qui saute par-dessus tout le monde, ça c'est bien. Jeffinho avec le ballon. Amad qui réclame, mais il n'a pas été servi. Moreira qui va jouer avec Mata, avec le petit Amad dans l'arrêt du gardien encore. Le corner de Maxence Cacré pour la tête de Tolisso. Il y a peut-être faute, monsieur l'arbitre, non? Ça joue et Pavard qui arrive pas à remettre. Tolisso qui a été mis par terre. Hein. Et oh non, si Jeffinho qui a pris le ballon dans les pieds de Cacré. Oui, avec Lacazette. Faut tomber, les gars, il faut des pénaltys. Et Nandzou qui est monté très haut pour récupérer ce ballon. Avec Diego Moreira. Avec Amad qui se monte, le Amad. Il fait un bon match. Moreira, Lacazette. À la 35e minute. 1-0 pour les Lyonnais, c'est plus que mérité. Le capitaine des Gaunes vient ouvrir le score. Lacazette qui marque déjà son troisième but en trois rencontres de Ligue 1. Lui qui devait partir cet été, on va pas se le cacher. Et finalement, il est resté à l'Olympique Lyonnais parce qu'il a fait une fin de saison de folie. Et pour l'instant, il fait un bon début de saison. Notre Alexandre Lacazette. Et Amad avec le ballon. Ça, c'est pas mal. Avec Moreira. Il passe pas. En plus, s'il obtient la touche. J'ai cru qu'il avait retouché. Amad avec Moreira. C'est pas mal ça. Le retrait. Oh, c'est raté. Lacazette encore. Le corner, mais quel match des Lyonnais. Maxence Cacré pour le corner, à nouveau pour la tête de Tolisso. Il n'y arrive pas. Et la remise sur Lacazette. Oh, putain, on fait un match fou. On fait un match fou. Et Jeffinho, c'est raté. Ah, Maxence, ça s'est récupéré avec Lacazette. Ouais, le bon contrôle avec Jeffinho. Ah, Jeffinho, Lacazette. Ils rejouent ensemble. Quel match des Lyonnais. Et Diallo, il va pas être servi. Ah, Jeffinho, et c'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est la mi-temps 1-0 pour les Lyonnais. Allez, deux changements opérés. Anthony Martial qui rentre à la place de Diego Moreira. C'est Amad qui est décalé sur le côté. Et puis Ilex Moriba à la place de Jeffinho. Et là, Pavard récupère le ballon. Gros match.
pour les Lyonnais. Et Ilex, Moriba. Il est passé. Mais ça va être contré, ça. Non, c'est arrêté. La relance. Réussi. Le pressing en 20. Attention, attention. Suite à la relance du gardien, ça a été bien joué. Mata qui défend. Avec Amad, quel match d'Amad pour l'instant avec Anthony Martial, il est passé. Anthony Martial, mais il est pas si rapide que ça par contre derrière. Martial quand même face au gardien, il doit marquer. Il marque 2-0 pour l'OL. C'est plus que mérité à la 53e minute. Le coaching est pour le moment gagnant. Oh, la récupération d'Ilex. Non, monsieur l'arbitre, il n'y a rien du tout. Alors on va faire nos trois derniers changements sur cette intervention, c'est dommage. La Lacazette qui sort, gros match de sa part, tout lisse aussi pour Joaquin Delgado, Kenneth Taylor et Sahel Koumbedi qui remplace Clinton Mata sur le côté droit pour ces 35 dernières minutes. Là il y avait vraiment une occasion de 3-0, hein. C'est vraiment dommage que l'arbitre a sifflé la faute. Pour moi il n'y avait rien du tout. En tout cas c'est récupéré de Koumbedi avec Amad. Amad avec Martial ou pas avec Koumbedi finalement. Koumbedi avec Joaquin. Oh la frappe à côté. C'est récupéré ça. Allez Kenneth Taylor avec Joaquin. Quel contrôle. Magnifique. On fait un énorme match. On fait un énorme match. Et Martial. Oh Martial. 3-0. Oh magnifique. Quel match. 3-0 pour les Lyonnais. Attention sur l'engagement. Koumbedi qui va être défié. On le veut vraiment ce petit clean sheet. C'est important. On n'en a pas eu pour l'instant. Depuis le début de saison, là c'est récupéré. Amad, oui, super, avec Kenneth Taylor. Anthony Martial. Martial avec Amad qui réclame. Ou Joaquin. Joaquin Delgado avec Cacré. 4-0, 69e minute. C'est un régal offensif. Et encore une récupération. Ah là, c'est fou. Là, on est en train de rouler sur l'adversaire. Et Joaquin qui ne marque pas malheureusement. Ouais. Il va fournir un petit peu déçu là-dessus, on aurait voulu que Joaquin marque, qui a créé le centre pour la tête justement de Delgado. Et non, il va pas dessus, et personne dessus derrière si ce n'est Malatia. Il est passé, le retrait sur Ilex. Ah, c'est raté. Oh, bien joué. Faut pas le laisser. Ah, il est passé à gauche forcément. Ouais, Nianzou, il a essayé d'écarter, mais ça revient dans l'axe. Nianzou qui a récupéré, ça n'a pas suffi. Attention! L'arrêt de Castro. Ah, il mérite son clean sheet, Castro. Hein. Les gars, déconnez pas. Sur la fin, s'il vous plaît. Puis pour la défense de but, c'est important. On rappelle qu'on a été champion la saison dernière grâce à la défense de but. Hein. Alors, truc de fou. Attention, c'est récupéré. Et Amad. Oh, cache pas dégagé. C'est récupéré. Voilà! Martial, quelle entrée de Martial. Joaquin aussi, mais ça, c'est à chaque fois. Joaquin, quelle belle passe pour Martial. Et pourquoi pas un triplé? Martial là dans l'angle fermé. C'est terminé. Victoire des Lyonnais 5-0. Le triplé de Martial. Non, attendez, le résultat il a coupé court. Mais il revient. Il revient. C'est pas fini. Là c'est bon, c'est récupéré. C'est pas totalement fini hein. Il peut y avoir une dernière situation hein. Il va y avoir une dernière situation même. Avec Joaquin qui va chercher Martial. C'est fou. Le quadruplé. 93e minute, victoire 6-0, le quadruplé de Martial et 3 passes D pour monsieur Joaquin Delgado. Mais Martial forcément qui se dirige vers son ballon, il a tiré 4 fois, il a marqué 4 fois, le réalisme à l'état pur. On a eu du mal à marquer le premier but et ensuite ça a débloqué la situation. Quelle seconde période, tous les entrants ont été très performants ce soir. Il y avait peu de supporters lyonnais hein, qui ont fait le déplacement en même temps de Lyon jusqu'au fin fond de la Bretagne. Il y a un sacré déplacement à faire et waouh, je pense que notre saison est vraiment lancée. Et maintenant on va changer un petit peu l'attaque. Je pense que ça va être Lacazette, Martial en attaque. Oh les stats, 15 tirs à 1. Rien à dire, hein. La victoire elle est plus que méritée, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les joueurs, mais là ouais, Lacazette, ouais, 8-4, ok. 9-8 pour Joaquin Delgado, 3 passes D hein. Et Martial, phénoménal. Non là tous les joueurs ont été bons hein. Honnêtement, tous les sous sont peut-être un peu durs avec lui. Bravo, Pavard qui fait un bon match. Pavard qui fait un très bon match. Bravo à tous. Excellente nouvelle, c'est que Ben Seguir est bien vendu à Chelsea pour 45 millions et de ça nous laisse 40 millions, c'est énorme. On pensait qu'on allait avoir que 35 millions, voire moins. Ah non, c'est énorme, on perd que 5 millions sur la vente. On est très prolifique là-dessus. On va peut-être essayer de recruter un joueur ou alors on garde l'argent pour cet hiver. On réfléchit un petit peu encore. Bon, finalement, on a réfléchi, il n'y aura pas de dernier transfert.
On va garder l'argent qu'on a, surtout quand on a des joueurs en prêt. Donc si jamais ça tourne mal, on pourrait rappeler des joueurs en prêt ou quoi. On préfère garder l'équipe qu'on a. On a une très belle équipe et on a un très bon centre de formation. D'ailleurs, il y a les petits rapports qui sont arrivés. Hein. Déjà, voilà, le centre de formation, il y a des petits cracks. Hein. Donc voilà, on va garder l'argent. On a 66 millions pour info. Il y a le petit Endo, hein, ça a été conseillé par Madame Lupus Okami qui a pu signer au club. Hein, ça a été compliqué parce qu'à l'âge de 15 ans, on voulait le récupérer, mais sauf qu'il n'avait pas le droit de quitter l'Asie. Là, à 16 ans, il a eu le droit, donc il a pu rejoindre le centre de l'OL. On est en train de le peaufiner parce que lui, il peut vraiment être intéressant à l'avenir. On va regarder vite fait les rapports hein, pour une fois. Ouf, ou le crack! Ou le crack! Ah, il vaut que 500 000, mais là, il a que 15 ans. Hein. On le recrute direct, lui. Ouais, c'était le seul crack. Hein. C'était le seul crack. Mais c'est déjà pas mal, ça nous suffit. Et le tirage de Ligue des Champions devrait avoir lieu. Hein. On va aller voir ça ensemble. Ouais, les matchs ont été décalés. On va aller regarder ça ensemble en direct. À la cérémonie. Avec qui l'Olympique Lyonnais va être? Le tirage en direct. L'Olympique Lyonnais. On espère un groupe à notre portée pour faire une belle épopée européenne. On est dans le... Oh là là, le groupe de la mort! Ah, cherchez pas à aller plus loin! Ah, j'ai vu Real Madrid, c'est mort! Real Madrid, Arsenal, Bodoglim! Le groupe de la mort, très clairement. À noter que Saint-Etienne a fait son retour en Ligue 1. Il y aura le retour des derbies. Il y aura le retour des derbies. Là, on va affronter Angers qui sont 14e. Nous, pour l'instant, on est deuxième, mais avec un match de moins. Donc, en cas de victoire, on serait leader. On veut garder ce titre de Ligue 1, bien évidemment. On va regarder vite fait les équipes. Hein. Ouais, c'est le groupe de la mort. Hein. Cherchez pas. Hein. Real Madrid, Arsenal. Mon Dieu. Puis Bodoglim, c'est pas une équipe facile. Hein. Ouais, après, vous allez me dire ça aussi. Hein. Ouais, en fait, Liverpool, Dortmund. C'est déjà pas mal aussi. Galatasaray, Celtic. Ouais, ça, c'est pas facile comme groupe non plus. Après, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a aucun groupe facile. Il hein. n'y a aucun groupe facile en réalité. Hein. Ah, lui, il est un peu plus à la portée. Le Feyenoord. Porto, Leverkusen, c'est un peu plus à la portée. Ouais, celui-ci, ouais, t'as Naples quand même. Hein. Ah ouais, t'as des gros groupes. Mais ouais, lui aussi, il fait mal. Ah, franchement, je pense qu'on a quand même le groupe de la mort. Hein. Arsenal, Real Madrid, je suis désolé. Waouh, ça picote. Il y aura le match de Bodoglim. Ça sera le premier match pour la semaine prochaine. Là. On va faire que 3 matchs, sinon l'épisode sera trop long. Ouais, ça sera dur. Après, on affrontera Lorient. On voit que Lorient fait un bon début de saison. On aura le PSG, on aura le Real Madrid. Mercredi prochain, je pense qu'on aura une seule victoire. Allez, on va pouvoir y aller face à Angers à la maison. Voici le 11 qu'on va aligner. Ça sera notre 11 titulaire, ça. Martial, compagnie de Lacazette avec Hamad sur le côté droit. Hamad, il peut être très bon devant et sur le côté droit. Moreira à la place de Jeffinho. On alternera après. Sinon, c'est Kakré Toulisso, Malatia, Nianzou, Pavard, Mata et Castro cage. Ça sera le classique, je pense. Et Martial prend un plus 6 actuellement. Phénoménal pour l'instant, le Anthony. Ça fait plaisir. On y go au Groupama Stadium, alias le Parc OL. Allez, c'est parti au Groupama Stadium. Les Lyonnais qui rentrent sur la pelouse. Et c'est Angers qui donne le coup d'envoi. Donc, on vous restez sur une victoire 6-0 à l'extérieur. Vous affrontez le 14e sur 18 équipes. Voilà. Hein. Je veux rien d'autre que la victoire. Mais ça, vous le savez. Hein. C'est les matchs pièges. Hein. On a réussi à exploser presque, qui est 4e. Qui fait un gros début de saison. Et vous allez voir que contre Angers, on va pas y arriver. Et déjà, ça se ressent son engagement. C'est pas possible. Ouh là là, la Ricastro de Castro. Bizarre. Tolisso, il a fait un excellent contrôle. Oh oui, quelle passe avec Hamad et Hamad qui lui ordonne. Quel beau mouvement. Et Tolisso, pourquoi il tire? C'est pas bien. Ouais, faut mettre sur Hamad, pas devant comme ça. C'est pas bien ça. Quelle récupération. Cacré avec maintenant la casette. Oh, quel mouvement. La barre transversale. La barre transversale et la frappe s'est contrée. Que de frappe et l'arrêt ensuite. C'est fou. Quel début de match. Allez mon Kakré. La tête. Oui. Oh, c'est repoussé encore. La frappe. Que de frappe, t'es pas hors jeu j'espère. La remise. Sur la casette. La frappe. Encore contrée. La frappe encore. Mais c'est fou. Sur le côté. Bien joué. Nianzou. Superbe. Superbe intervention, l'arbitre qui voit une petite faute, hein, parce que c'est Madame Frappard, bien évidemment. Il n'y avait rien du tout, derrière on les laisse jouer. Le centre, oh non. Ouf, à côté. Hamad. Mata. Mais non! Martial joue le ballon! Oh non, mais pourquoi? Pourquoi le jeu me fait ça à moi?
Oh là là. Ramos. On avait une belle situation là. Et la balle pour Attends, Nkonji. faut récupérer le ballon. C'était récupéré. C'est récupéré encore. Vrai Et faute, madame qui voit une faute. signalée par l'arbitre. Ouais, c'est récupéré. Et Martial. Il y a faute sans Martial. Coup franc, Quoi? faute signalée par l'arbitre. Mais laissez l'avantage du coup, j'avais récupéré le ballon. Allez, calme-toi, coach Hubert Fournier. Oh, il n'y a pas d'hors-jeu. Martial, et voilà! Non! Il est hors-jeu, mais c'est scandaleux. C'était très très joué. Et Oh oui, là là, mais et c'est la petite honteux. Hein. menace a déglissé la carte de visite. On va revoir tout cela. Est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu? Ouais. Ah, dommage. Pas hors-jeu, pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, chef. Non, mais attendez. Oh! On se fait carotte une fois de plus, Hubert Fournier qui regarde sur Prime Vidéo tous les angles. Et pour moi, il n'y a pas hors-jeu du tout. Hein. Alors maintenant, pour choper le bon joueur, ça va mettre une éternité. Mon ami sont ralenti, le pied, il est derrière. Il n'y a pas hors-jeu, chef. On voudrait Martial, s'il vous plaît. Ouais, Voilà, là je suis droit, je suis au moment de la passe, il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Hein. Abdelli. On voit qu'il part Le club s'échauffer. progresse bien Je vous avec la informe, et là même c'est bien mission. récupéré sans faute. Il y avait de quoi J'ai cru faire que l'arbitre allait l'incitation, siffler. mais pas comme ça. Joaquin va partir s'échauffer. On va essayer de modifier des choses pour la seconde période, même si la Morera est dépassée. Morera! Oui, mais non! Il faut les frapper, Morera! Qu'est-ce qu'il a voulu donner à Martial? Oh, c'est mal joué. Lacazette! C'est contré. Martial, il s'est retourné. Anthony Martial! Oh oui! Quel chef-d'œuvre! Mais c'est tellement mérité! Et là, ils vont pas me sortir un hors-jeu du chapeau! Non, non, le but est bien sûr validé! Quel but d'Anthony Martial! Oh, incroyable, hein. Quand il est arrivé, l'hiver dernier, il a été exceptionnel. Et puis ensuite, en fin de saison, un peu moins. Mais là, ce début de saison, il est stratosphérique. 1-0 pour l'OL. Et ça va être la mi-temps. Ça va être la mi-temps. Le temps additionnel est dépassé. Voilà, merci. Mi-temps! On fait un match fou, on fait un match fou très clairement. Il n'y a qu'un petit but, donc attention, mais on a 8 frappes déjà. Hein. Et encore, il compte certaines frappes qui ont été contrées, qui n'ont pas été comptabilisées, je pense. On va faire des changements. La case. Oh, allez, Martial est plus. Martial est plus, finalement, c'est Martial qui va sortir pour Joaquin. On voulait le laisser, mais on peut pas. Et Tolisso qui a du mal à tenir pour Matt Taylor. Et pour l'instant, on y va comme ça. J'ai dit Matt Taylor, n'importe quoi. Kenneth Taylor, pardon. C'est reparti, c'est les Lyonnais qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période avec donc l'entrée de Joaquin et de Taylor. Notez que notre autre arrière-gauche, Taylor, ne nous joue peu pour l'instant parce qu'on compte sur Malatia et Clinton Mata, mais avec la Ligue des Champions qui arrive bientôt, bien sûr qu'il jouera. Et là, quelle passe! Joaquin, allez, ton premier but! Mais pas en extérieur comme ça, mon Joaquin! Aïe, aïe, aïe! Allez, qu'a crié le corner. Pour la tête de Benjamin Pavard! Et non, Kenneth qui met... La frappe! C'est contré! Trop de frappes contrées! Attention, Nandzou, Théo. J'aime pas quand Théo comme ça, heureusement. Cacré qui a récupéré. Joaquin avec Lacazette. Lacazette, il passe hein, tranquillement. Faut l'accompagner maintenant. Oh, il est pas vraiment accompagné. Il frappe. Corner. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Après, sur les corners, on est bon. On est très bon. Oh, c'est raté. Malatia. Ahmad et Taylor qui frappe! Nouveau corner. Alors il y aura des changements. On a fait nos trois derniers changements pour ce corner. Et on espère qu'on va pas le regretter avec notamment Jeffinho. C'est contré. Moriba aussi qui est rentré. Encore un nouveau corner. On domine l'adversaire mais on n'y arrive pas. Et Koumeni hein, pour le dernier à être rentré à la place de Mata. Le centre sur la tête de Joaquin. C'est repoussé, nouveau corner. Hein. J'ai peur qu'on ne gagne pas ce match, et ça serait tellement pas mérité de ne pas le gagner. Cacré qui centre à nouveau pour la tête de Joaquin! Oh là là, c'est fou! Ce match est interminable en termes d'occasion, mais on marquera jamais ce deuxième but au-dessus. Ah, faut pas laisser, hein. Voilà. Non, mais pas ici. Pouf, Cacré. Oh le tacle! Je peux pas réclamer la faute, d'accord. Bah, faut pas la perdre derrière. Hein. Ouais, c'est bien joué, c'est très bien joué. Jeffinho. Ahmad, par-dessus, Joaquin Delgado! 2-0 pour l'Olympique Lyonnais! Et c'est tellement mérité, il en arrache le poteau de corner! Coaching une fois de plus gagnant!
L'OL est vraiment lancé, troisième victoire consécutive. On est leader de Ligue 1, qu'est-ce que c'est beau. Quelle passe d'Amad, magnifique. Et là, la reprise de volée, incroyable. Et attention son engagement, on les a laissés jouer. Pourquoi Comédie, il n'est pas du tout à sa place. Oh là. Oh non. Oh non. N'importe quoi, 2-1. C'est leur première situation, je crois. Non, ils en ont peut-être eu une en première, mais n'importe quoi. Ce but, c'est... Quand il est sport, ça a décidé qu'il y aura but, il y aura but. Allez, il faut réagir. Il y a Amad, super bien donné. Gardien, il fait l'arrêt du siècle. Le corner, une fois de plus. Le centre, Amad, au-dessus. Je vais récupérer, les gars. Attention, là, on a peur dans les 5 dernières minutes. Ce serait tellement pas mérité. Ah non, on n'a pas le droit de perdre des points contre Angers, surtout pas. La saison dernière, on a perdu assez des points contre Angers. C'est récupéré. Mais pas ici! Oh, Moriba, il a perdu deux ballons importants, là. En cette fin de match. Il n'arrive pas à la récupérer. On n'y est pas du tout. Angers, ils n'ont rien fait. Deux situations. Non. Dégage-moi ça. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Allez, n'importe quoi. Allez, bien joué, Joaquin. Avec Amad. Oui. Et bien joué. Allez, conserve-moi ce ballon. Ah, il passe en plus. Magnifique. Et magnifique. C'est terminé. Victoire 3-1 des Lyonnais. C'est tellement mérité. Regardez les stats. Alors oui, on n'a pas le ballon, mais ça, c'est le 4-4-2 qui veut ça aussi. 21 tirs, s'il vous plaît. 4 pour l'adversaire. Et on peut plus, ils arrachaient le hold-up. Hein. Avec le match nul. Quelle performance des gars. C'est Maxence Cacré, et l'homme du match, je pense qu'il fait une passe D. Il en fait même 2. Bravo. Jeffinho qui fait une bonne entrée, parce qu'il marque ce petit but. Joaquin, exceptionnel. Hein. Bravo. Et puis Marcel qui marque. Non, franchement, bravo les gars. Ensuite, ouais, ils sont un peu durs avec Taylor et Tolisso. La défense a été un petit peu compliquée, mais on est fiers du résultat. Ce classement est magnifique, on est leader avec 2 points d'avance sur le PSG, Toulouse et Lorient, ainsi que Strasbourg. Décidément, derrière, ça suit, hein. À 8 points, ils sont beaucoup. Très bien, très bien. Au final, on se dit que le match nul face à Strasbourg, c'était un bon résultat, parce qu'ils font un bon début de saison. Et on est seul leader, et ça c'est beau, on a une énorme différence de but. C'est magnifique, on y va pour la dernière rencontre de cette vidéo face au Stade Rennais. Allez, du coup, on y va face à Rennes au Rosenpark avec une équipe très remaniée, hein, étant donné que dans 2 jours, on jouera à Bodoglim, le premier match de la semaine prochaine. Après, c'est des gars qui savent ce qu'ils ont à faire, hein, ça reste des bons joueurs, notamment l'attaque Marcel Joaquin Delgado, Cacré, lui, c'est un cheat code, il s'épuise pas, donc il sera le titulaire et le capitaine de toutes les rencontres, je pense, ou presque. En tout cas, on y va tout de suite au Rosenpark. Allez, Lyonnais, qui... sont dans le tunnel, prêts à s'échauffer sur la pelouse. On voit les Rennais qui s'échauffent tranquillement. On a intérêt à être bon. Le stade est plein, hein, ce soir. Pour cette rencontre de haute affiche, victoire impérative. Si on veut conserver notre place de leader, c'est Rennes qui donne l'engagement. On reste sur 2 énormes matchs, hein, face à Angers, même face à Lille aussi, donc 3 gros matchs, hein, et Brest bien évidemment. Faut continuer cette belle série à ces jeunes, hein, de montrer qu'ils ont leur place. Et la récupération magnifique. Mais Madame Frappard a sifflé une faute alors que Moriba avait bien récupéré le ballon. Et du coup, Rennes conserve le ballon sur cet engagement. Allez, au pressing. Quelle récupération de Martial. Il n'y a pas de faute, Martial. Oui, Martial qui continue de marquer. Oh, je voulais attendre le renfort Joaquin pour lui servir, mais il n'est pas arrivé assez vite. Et c'est beau, hein, parce qu'on a le patch de champion de France. Je suis pas habitué à voir ça sur le maillot lyonnais. On le voit bien là, le patch. Et Martial qui continue de marquer. Quel début de match. Et c'est mérité. Quelle récupération au milieu de terrain. Et ensuite, le face-à-face remporté. Ouais, attention, derrière, bien évidemment. Avec Hassan, hein, notre joueur qui est prêté là-bas. Et là c'est bien joué avec Taylor. Taylor avec Martial. Ah là là, Taylor c'est pas bien. On a les deux Taylor, hein, qui est titulaire, le MC et l'arrière gauche. Et Castro qui va balancer sur Koumbédi, pardon. Cacré,
Oh, quelle récupération de Cacré! Joaquin qui réclame le ballon! Joaquin avec Martial! Martial, il n'est pas bien passé! Il trouve Joaquin quand même! La frappe est contrée! Jeffinho avec Cacré qui passe pas! Mais attention! Parce que du coup, on s'est un petit peu découvert, je trouve. Notamment au milieu de terrain et derrière la défense qui est un peu perdue. Koumbédi qui s'est pas très bien placé là. Ça décale dans l'axe à nouveau. Oh, super mouvement, on n'est pas placé. Comment ça rentre pas? Oh, la réussite avec nous. Comment cette frappe n'est pas rentrée? Denzo le fait. Incroyable, la barre transversale ou le poteau. Oh, la trajectoire. Très étrange. Avec Ilex Moriba. Qui attend le départ de Koumbédi. Koumbédi, il va falloir bien donner. C'est fait. Il esquive le tacle. Derrière la passe, c'est manqué. C'est un joli mouvement. Il n'aurait pas dû esquiver le tacle. On avait un bon coup franc aussi. Hein. Attention derrière. René. Oh, bien joué. Ouais, super. Super. Mais l'axe. Et là, ils vont pas se louper. Et si. Non, mais. La réussite jusqu'au bout. C'est fou. Incroyable. Enfin, une saison où. Pour l'instant, ça nous réussit les montants. Et derrière. Non, il y a hors-jeu, je pense. On va jouer le coup à fond quand même. Et oui. Attention. On va faire des changements à la mi-temps parce qu'il y a des choses qui nous plaisent pas, notamment défensivement. Et bon, là, cette fois-ci, hein. Oh, c'est fou. Et on évite le corner. C'est fou. Castro héroïque là-dessus. Oh, les Rennais sont pas en réussite. Mais on va faire 3-4 changements à la mi-temps. Ouais, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Moriba, ça va sortir. Jeffinho, ça va sortir. Et la défense centrale aussi, parce que là, elle se fait transpercer. Oui, bah, à un moment, c'est normal, hein. Oh, le poteau encore, mais c'est fou. 4 face à face remportés, c'est fou, alors qu'on revoit l'action de tout à l'heure. Mais c'est incroyable, quel match. Oh là là là, pour une fois, le destin avec nous ou pas? Ou pas? Si, dégage ça. Mais dégage ça. Mais punaise, merci. Oh là là, j'ai cru qu'il allait jamais dégager, mi-temps. Ah, la défense centrale qui n'y est pas du tout. Donc, Pavard va rentrer. Malatia va rentrer aussi. Honnêtement, Nyanzou va rentrer en défense, on change toute la défense, parce que ça nous a pas plu du tout. Tolisso à la place de Taylor. Et le petit Hamad à la place de Moriba. On va y aller comme ça. On fait nos 5 changements, mais parce que l'équipe, elle y est pas, elle y est pas. On devrait perdre 4-1 à la mi-temps. C'est reparti dans ce match. Oui, Koumbédi avec Hamad. Hamad, j'ai demandé toute la force, il a fait pas tout avec ta force. Hein. Et Joaquin, mais il va pas dessus, Martial, il va même prendre un jaune là-dessus, c'est mal joué. On joue mal les coups, là. Joaquin, il est pas 100% dedans, je trouve. Hein. Ça a souligné. Mbedi. Oh, il y a faute. Il y a faute, il y a rien à dire, le carton jaune. Hein, pour Martial, normal, suite à son tac sur le gardien. Et notre joueur prêté qui sort. Enzo le fait pour tirer. Non, il la donne, c'est bien joué. Sur le côté. Oh, il est passé, Enzo le fait. Oh, le retour avec beaucoup de réussite. Et Hamad qui va chercher Martial. Allez, là, il faut y aller. Mais non, mais... je veux les ballons, les gars. Allez, on a de la réussite, c'est conservé. Hamad qui va être servi, superbe. Hamad. Oh là là, l'arrêt du gardien. Le corner obtenu. C'est Jeffinho qui va le centrer pour la tête de Tolisso. Sans problème pour le gardien. Jeffinho. Y'a faute, y'a faute, madame l'arbitre. Y'a faute! Quand même! On va jouer avec le Jeffinho devant. Qui va remettre sur Malatia. Malatia pour la tête de Hamad Diallo. C'est repoussé. Martial, la frappe! Mais oui! Incroyable! Il a la réussite, Anthony Martial! On va le revoir vite fait ce but parce que le centre est un petit peu raté. Mais derrière, on est sur le second ballon. Voilà, et le contrôle. Non, mais là, on a toute la réussite et la tête sans puissance. Ça rentre quand même. Même si, attention, c'est loin d'être fini, bien évidemment. Nyanzou qui va être mis à contribution. Oui, quel tacle! Superbe! Ouais, bravo! Il gagne des points. Hein. Nyanzou Pavard, il gagne des points importants dans cette rencontre. Et là, la contre-attaque, elle est pas mal. Jeffinho, il est passé. Le retrait est raté. On ne s'est pas compris. Attention. Et ouais, parce que Cacré et Tolisso aussi, ils étaient très hauts. Mais Cacré qui revient. Bon, quel match de Cacré aussi. En tout cas, quelle seconde période. Oh oui, pas de hors-jeu. Et l'avantage, on va en profiter avec l'inévitable Anthony Martial, premier poteau. L'arrêt du gardien à la 88e minute. Peut-être aller marquer un petit but à la 90e minute. Histoire de dire. Mais non, même pas. Koumbédi, bon match.
Et là, c'est raté, mais c'est terminé de toute façon. Non, 2 minutes de temps additionnel, bah oui, hein. Vu qu'on mène, c'est pas 1 minute. Forcément, vous connaissez la chanson. Rennes aura tant qu'une toute dernière possibilité. Même pas. Même pas. Et c'est terminé. L'OL qui s'impose 2-0. L'OL qui est leader de Ligue 1, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Jamais ce match-là mérite de le gagner. Mais ça fait plaisir. Bah, un grand bravo à Martial. Il y a Castro, hein. Franchement, bravo. Tolisso qui fait une très bonne entrée. Jeffinho qui a fait un bon match, hein, qui a fait un bon match dans l'ensemble, ça a été. Et oui, on n'a pas vu le jour. Hein, honnêtement, ce match-là, ok, dans les buts attendus, c'est plus ou moins équilibré, mais on mérite de perdre 4-1 en réalité, même 4-0, hein, parce qu'ils touchent deux fois les montants, je crois. Ils ont deux face à face. Non, trois fois les montants qu'ils touchent. Il me semble, Castro, il fait des arrêts de fou. Après, c'est bien d'avoir des résultats comme ça. Je crois que c'est la première fois dans cette carrière qu'on a un match qui tourne autant à notre faveur. C'est beau. Ça sera pour la semaine prochaine, bien évidemment. La Ligue des Champions face à Bodø/Glimt. Et avant de se quitter, on va aller faire le point sur le classement. On est leader, hein, avec 12 points, si je ne m'abuse. On va aller regarder ça tout de suite. Bien évidemment, cette chère Ligue 1. 13 points, pardon. Bah oui, on n'a pas perdu de match. On avait fait un match nul face à Strasbourg. Et vous voyez, le résultat à Strasbourg, en plus, c'était à la méno, si je dis pas de bêtises. Au final, ça restait un bon résultat parce que Strasbourg est actuellement deuxième. Ah, attention. Il y en a qui n'ont pas joué encore. Il y en a qui n'ont pas joué, on va regarder ça tout de suite. Voilà, classement actualisé. Et le PSG qui s'est donc imposé 3-2 face à Nantes dans la douleur. C'est dommage, on aurait voulu un petit match nul. L'OM qui perd à Lille, ça c'est bien. Un petit match nul entre Nice et Toulouse aussi. Ouais, il y a des résultats qui sont favorables pour nous. Hein. Saint-Étienne qui sont dans les derniers, ça fait plaisir, hein, forcément. Oui, un seul petit point, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, on est leader avec 2 points d'avance sur le PSG. On a la différence de but. Franchement, c'est un super début de saison. On a fait un petit clean sheet qui fait vraiment plaisir. Que 3 buts encaissés en 5 matchs. C'est incroyable. Et ce titre de Ligue 1, on a envie de le conserver. Je sais pas si on y arrivera, mais on a une très belle équipe. On est fiers des gars. Il faut continuer ainsi. La semaine prochaine, Ligue des Champions. Ça va être tendu. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, il m'a vraiment plu. J'attends de vos retours dans les commentaires. Ça ferait du bien d'avoir des petits retours. Il y a très peu de commentaires, hein, ces derniers temps. Mais en tout cas, j'espère que cette aventure vous plaît toujours. Et puis, on se dit donc à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Bye bye.